J'aime le music hall, ses jongleurs, ses danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Moi, j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, déjà là, le rideau rouge qui bouge, qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle. Très, très drôle. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'être avec nous ce soir sur France 3. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans Les Viens, je t'emmène. On va se glisser sur la scène et dans les coulisses de ces lieux qui nous font rêver depuis toujours. Allez, viens, je t'emmène, direction le Music Hall. Ce soir, on remonte le temps, ensemble, sous mes pieds, juste ici, différents décors vont s'enchaîner pour nous replonger dans ces folles années, sans oublier évidemment des archives à tomber. Moi, j'aime le Music Hall, c'est le refuge des chanteurs vedettes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Beco. Et pas de Music Hall sans les artistes. Ils sont là, en coulisses, prêts à nous replonger dans la magie et dans le répertoire de cette époque. Julien Clerc sera avec nous, Carla Bruni, Julien Doré, Clara Luciani, mais aussi Camélia Jordana, Patrick Fiori, Kenji Girac, Chimène Badi, Daniel Lévy, Nicole Croisi et des numéros de Music Hall, évidemment, sans oublier les artistes du Moulin Rouge. Toujours, 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 toujours. Waouh, ça met dans l'ambiance. Merci aux danseuses et danseurs du Moulin Rouge qu'on retrouvera tout à l'heure dans cette émission. Merci mon Dany, tu seras avec nous dans le prochain numéro d'Allez Viens, je t'emmène, consacré aux années pop avec un tout nouveau projet. Merci. Merci à vous. Bonsoir Clara Luciani. Bonsoir Laurent. Bonsoir Julien Doré. Bonsoir Carla Bruni. Bonsoir. Et Julien Clerc. Bonsoir. Quel bonheur, quel honneur de vous avoir avec nous. Alors vous êtes au courant, on va voyager ensemble dans ces années musicales et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui l'ont connu ou pas, qu'est-ce que c'est au fond concrètement le musical? Eh bien la réponse en images. Paris sera toujours Paris. Paris, ses lumières, ses artistes et ses salles mythiques nées à la fin du 19e siècle sous le nom de Music Hall. Après la Goulue qui défrayait la chronique en osant montrer sa culotte, on n'en était pas encore au string ficelle, les grandes stars se succèdent à l'affiche du Moulin Rouge. Miss Tinguette est déjà célèbre et Maurice Chevalier déjà connu. Des Folies Bergères à l'Olympia, en passant par le Lido, l'opérette et la revue faisaient le succès de ces établissements. Puis, dans les années 50, la programmation s'ouvre à un autre genre de spectacle, sans danseurs ni froufrous, plus intimiste, plus proche du public. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Le nouvel Olympia, inauguré par Gilbert Beco en 1954, devient alors une véritable machine à fabriquer des légendes. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène. Moi, j'aime le music hall. Une grande salle de spectacle, une prestation artistique, des danseuses de revue, de grands interprètes. Mais finalement, c'est quoi le music hall? Le music hall, c'est tous les jours une ville différente avec une bagnole, des musiciens. Ouais. Et puis c'est aussi un public qui applaudit. Nous ne sommes pas au music hall, alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions, merci. Si, si, nous y sommes. Alors bienvenue au music hall, cet univers mythique qui vous emmène au cœur du grand spectacle. Je vous voyais à fond tous sur ces archives. Ça vous inspire quoi, le music hall? Il y a une grande liberté.
C'est ça qui fait aussi du bien dans ces images-là, c'est de voir des artistes extrêmement libres et de voir aussi certaines interprétations qui dépassent l'entendement. Il y a Charles Trenet qui disait « Moi, j'aime le musical, le refuge des chanteurs-poètes, l'école où l'on apprend à mieux voir, s'émouvoir. » Ça vous parle, ça ? C'est-à-dire que Trenet, c'est pas que ça parle, c'est que ça va droit au cœur et d'une manière tellement limpide et parfaite que ça m'étonne pas. Après, il avait aussi des phrases d'esprit très, très, très ciselées, très frappantes. Julien, comment on se prépare à reprendre du Charles Trenet ? Non, bah c'est d'abord avec humilité et modestie. C'est première des démarches quand on reprend une chanson, d'ailleurs. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de commencer par ça, de commencer par reprendre les chansons des autres. Et c'est vrai qu'assez vite, j'ai compris que pour injecter un petit peu de soi, il faut justement amener ces chansons-là, qui sont très difficiles à toucher parfois, à reprendre, les amener un petit peu ailleurs, avec soi. Et donc, quand on les amène ailleurs avec soi, on fait partager d'une certaine façon ce qu'on est, avec aussi des maladresses et tout simplement une légère différence. Donc, ouais, que reste-t-il de nos amours ? C'est ce que je vais tenter de reprendre. Vous nous avez bien teasé. Que reste-t-il de nos amours ? Amour, que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, ce cher visage de mon. Oh yeah. Merci. Ça commence très très fort et notre destination ce soir, vous l'avez compris, c'est le musical avec cette scène, ce rideau rouge mythique et cet endroit si particulier pour un artiste, la loge où la tension monte, où la respiration s'accélère. Avant d'entrer sur la scène, allez venez, je vous emmène dans notre loge à nous où deux chanteurs qu'on aime sont là, ils sont au maquillage et on est à quelques minutes de l'ouverture du rideau. C'est parti. Ils ont dressé les estrades et tendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de faubourg. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez avoir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous leur montez sur Baptiste au rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois courent tant tu vends dans la nuit, ils vont renaître la vie, les comédiens. Eh oui, on sait ça. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien.
comédiens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leurs tréteaux, ils ont ôté leurs estrades et plié les calicots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de leur sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit notre village endormi, les comédiens. Hey, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. On a tout, regarde, on a les musiciens, on a les comédiens. Et le public, bien sûr, les magiciens. Ça met dans l'ambiance, ce premier décor, alors. Vous avez aimé ou pas, Clara? J'adore. Moi, j'adore les loges. Ce que j'aime faire quand je suis dans ma loge, c'est me recréer un petit chez moi. J'y vais toujours avec plein de photos et puis mes bougies. Et voilà. Donc, bravo, c'était très réussi. Merci à Kenji, merci à Patrick Fiori. On les retrouve évidemment tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Carla, est-ce qu'il y a des petits gris-gris? Est-ce qu'il y a des petits rituels comme ça qu'on ne manque pas à faire dans sa loge avant de monter sur scène? Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je me concentre un peu, mais pas tellement, parce que ma manière de me concentrer, c'est de me disperser. Sinon, je bois une bière. Ah, ça, c'est pas mal. Et alors... Mais même en matinée. Vous, Julien, les deux Julien au carré. Moi, tout est millimétré aux minutes près, en fait. C'est assez rassurant pour moi de me dire, voilà, à telle heure, il y a le sport, à telle heure, il y a telle chose, etc., les répétitions, etc. Ma façon de me rassurer, c'est ça, c'est que tout soit millimétré. Julien, des tractions, des pompes aussi ou pas? Non, moi, j'y suis très tôt, j'arrive très, très tôt à la salle, toujours. Et après, donc, je passe un très long temps dans ma loge, souvent tout seul parce que c'est l'heure du dîner. J'ai toujours évidemment un clavier. Et généralement, je chante un peu pour me chauffer la voix. Et puis je passe, comme on dit, les difficultés du tour en revue. C'est-à-dire que toutes les notes hautes, etc., je les passe une fois ou deux. Voilà. Et je me souviens d'une tournée où en première partie, il y avait Pierre Vassiliou et Véronique Sanson. Et il y avait un numéro qui était des gens du cirque qui suivaient la tournée en caravane. Et il faisait des jonglages. Et il y en avait un, il était amoureux de Véronique. Et je l'avais surpris un soir, il était dans la loge de Véronique, il faisait des jonglages rien que pour elle. Elle y était sensible? Bien sûr qu'elle était sensible. Julien, on ne peut pas évoquer cette période sans parler du grand Gilbert Bécaud. Si vous deviez reprendre une chanson de Monsieur 100 000 volts, ça serait laquelle? Je reprendrais C'est en septembre. Allez, c'est parti alors. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid. Au grand soleil, maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les santons seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école était chauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais, et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage
me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée. C'est en septembre que je me fais la bonne année. Oui, en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier. Et l'émotion est palpable sur ce plateau. Ça vous a fait quelque chose, j'avais Carla. Oublié le texte. J'avais oublié le texte. Et Maurice Vidalin, qui était un des trois paroliers emblématiques de Bécaud. Bécaud, il avait trois paroliers. Ça s'appelait Louis Amade, Maurice Vidalin et Pierre Delanoë, bien sûr. Et ça, c'est un texte de Maurice Vidalin. Alors, le musical a évidemment contribué à créer ces légendes, ces stars, par une simple présence, par leur charisme et leur talent. Elles arrivent à tenir une scène seules aux commandes. Et ça, ça s'explique pas. La preuve ? Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne. Le musical et ses salles mythiques ont vu naître les plus grands artistes de la chanson française. Bien souvent, et même peut-être à 80%, la personnalité humaine de l'artiste est plus importante que son talent. Tu me fais tourner la tête. Ajoutez à la personnalité le charisme d'Yves Montand et vous ferez tourner toutes les têtes. Mon manège à moi, c'est toi. Il y a ce que j'appellerais les interprètes de musical, dont je pense je fais partie, à savoir que on doit aussi bien danser que mimer, que jouer, que chanter. Cette catégorie pluridisciplinaire est aussi celle de son prédécesseur, Maurice Chevalier, avec son petit côté youplaboum. Dans le répertoire de Maurice Chevalier, on trouvera des chansons écrites par celle qui a importé le swing sur la scène française, Mireille. Je chante, je chante soir et matin, je chante. Et dans la catégorie des chanteurs qui font swinguer le musical depuis 1938, Charles Trenet, alias le fou chantant. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Je me voyais déjà en photographie. Qui sera suivi de très près, en haut de l'affiche, par Charles Aznavour. Racontant ma vie, l'air désabusé des débutants, friands de conseils. Le public, c'est le souverain juge, et c'est son avis qui finalement détermine le succès ou l'insuccès d'un jeune artiste. En 1954, quand Gilbert Bécaud inaugure le nouvel Olympia, le public sera tout de suite conquis par la puissance scénique de Monsieur 100 000 volts. La place rouge était ici. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Plus loin, je m'en souviens. Si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Une histoire d'amour sans faille traverse les époques et se poursuit entre tous les artistes et leur public sous les lumières du musical. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est amusant ce que raconte Bruno Cocatrix. Dans 80% des cas, la personnalité humaine de l'artiste l'emporte sur le talent. Vous partagez ce sentiment ou pas ? C'est-à-dire que le talent fait partie de la personnalité aussi. Souvent, par contre, j'ai l'impression un trait de caractère peut-être que tous les artistes ont, ou presque, c'est la persévérance. Mm-hmm. J'ai l'impression. Parfois, il y a des coups de bol, mais la plupart du temps, il faut un peu se battre. Et Carla, vous avez rencontré Julien Clerc en écrivant des chansons. Pour lui, c'était il y a 20 ans. Et d'ailleurs, pour nous, public, c'est comme ça qu'on vous a découvert en tant qu'auteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des chansons pour Julien, alors ? Alors, moi, j'écrivais des chansons tout le temps. Et quand on m'a proposé d'écrire des textes pour Julien, c'est pas que j'ai eu envie, c'est que je me suis dit, c'est remarquable. C'est l'immense mélodiste Julien, merveilleux chanteur. Et puis après, on est devenus amis comme des frères, en plus. Et ce soir, vous aviez
un peu envie de vous glisser dans sa peau, dans la peau de Julien. Ouais. Et ça, c'est pas rien. C'est pas vous rien. Avez saisi la transition ou pas? J'ai saisi. J'espère que je ne vais pas te décevoir. Hein? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe et ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe et ce n'est rien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, mais soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien, et ce n'est qu'une tourterelle. En rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Julien, il y a une chanson que vous seul pouvez interpréter. Femme, je vous aime. Vous nous faites ce cadeau ? Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragiles. Et difficiles. Oui, difficiles. Quelquefois si drôle. Sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Parfois elle veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Je n'ose pas vous dire. Je vous désire. Ou même pire. Oh, femme. Merci Julien, l'émotion est palpable sur ce plateau.
L'esprit du musical, c'est aussi les mélanges des genres, des styles. Alors eux sont à la fois chanteurs, humoristes, un peu acteurs, un peu clowns aussi. Bref, leur palette de talents est illimitée. Ils font le lien entre la variété pop de Mika jusqu'au lyrique de Verdi. Oui, c'est possible. La troupe The Opera Low Cost est avec nous ce soir. Et vous allez voir, ça décoiffe. Ça hérisse les poils, bref, tout ça à la fois. Regardez. Je veux voir le spectacle en entier. Et franchement, on a du mal à croire que c'est pas du playback. Il nous faut une preuve. Diane, tu peux nous prouver que, hein, que c'est du vrai, du live. Avec plaisir. Allez, go. Mi piace bello. Complètement fou. Ça te plaît? Bah oui, tout te plaît. Et merci beaucoup. Incroyable. Diane, Margot, Laurent, bravo. Mickaël, bravo. Florian. Bravo. Vous nous avez embarqués dans votre univers. Merci infiniment. Retenez bien leur nom. Opéra Locos. Allez, c'est le moment de tenter votre chance. 10 000 euros à se partager. C'est ce que vous pouvez tenter ce soir, de gagner 3 chèques pour 3 d'entre vous. Alors pour remporter ce premier chèque d'une valeur de 2 000 euros, répondez correctement à cette question. En 1962, Charles Aznavour nous invite à venir voir 1. Les comédiens, 2. Les parisiens. Évidemment, vous connaissez la réponse, alors appelez dès maintenant le 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer et le gagnant sera tiré au sort et son nom s'affichera juste là en bas de votre écran dans quelques minutes. Bonne chance à tous. Alors Julien Doré. Oui. Ton album s'appelle Aimer. Et ce que j'ai adoré dans cet album,
c'est qu'il y a ce... Oui. En fait, il s'adresse un peu à toute la famille avec ce, oui, ce livre, disque, oui, avec ses gommettes, ce qui nous permet de faire des planches un peu personnalisées. Oui. Raconte-nous. C'était ta grand-mère, Aimée, qui t'a mis aux gommettes. Oui, effectivement, le prénom de cet album est aussi celui de ma grand-mère qui vient de fêter ses 100 ans. Mais c'est, cette phrase de dire que c'est un album qui s'adresse à la famille, elle me touche parce que c'est au cœur de ses textes. Il y a uniquement une pensée qui est celle de la transmission et qui m'obsède plus que tout et qui a été vraiment une obsession au moment de l'écriture de ces chansons. Donc oui, de se dire que ces mots-là peuvent chuter de génération en génération au sein même d'une famille, ça me touche beaucoup. C'est exactement c'est ce comme que ça qu'on l'a tous perçu, vraiment. Je te laisse rejoindre la scène pour nous interpréter ce titre qu'on adore ici, Kiki ou l'art de changer. Un peu la peur du futur en espérance, extrait de cet album, Aimée. De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre. De tenir à leurs idées, c'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer, ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer, ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. Mais quoi qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça ne tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Julien Doré. Kiki, un extrait de l'album Aimée, album certifié double platine et qu'on retrouvera sur scène à partir d'octobre prochain dans toute la France. On croise les doigts et à Paris, à l'Accor Arena. Le musical, ce sont aussi des femmes hors du commun, des meneuses de revue. Et dès 1900, elles font vibrer le public et dominent la scène parisienne. Impossible de ne pas évoquer Joséphine Baker, victime des lois raciales dans son pays. Elle adopte la France, où elle y découvre la liberté. Et en 1930, elle chante pour la première fois en public « J'ai deux amours », qui deviendra plus tard sa chanson fétiche. Regardez, souvenir. J'ai deux amours, mon pays.
Sacrée femme, hein, cette Joséphine Baker. Incroyable femme avec une vie extraordinaire, d'une modernité, d'une liberté extraordinaire. Elle avait adopté 9 enfants. Elle vivait 12 enfants. Ah, bah, ouais. Incroyable, une femme incroyable. Une magnifique femme aussi. Et finalement, vous aussi, vous avez 2 amours. Un peu la France, un peu l'Italie. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai 2 pays. Ouais, j'ai 2 pays, j'ai 2 amours. C'est vrai, c'est une bien belle chanson. Hein. Vous voudriez nous la chanter ? D'accord, je vous la chante. Allez, vous la chante. Merci. Je vais essayer de vous la chanter. On est toutes oui, on est toutes oui. J'ai 2 amours. Mon pays est Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai 2 amours. On adore, non? Merci, Clara. Parmi toutes les chanteuses du musical, il y en avait peu à qui on laissait la scène seule. Il y avait Piaf, Barbara, Dalida. Elles font partie de tes inspirations? Oh bah oui, évidemment. Je pense tout le temps à elles. Je crois que je m'en inspire vraiment beaucoup. À laquelle en particulier? Ça se jouerait sans doute entre Barbara et Dalida. Et Dalida, justement, je crois que ce soir, tu voulais lui rendre hommage. Oui, avec une chanson que j'adore. Parce que moi, je suis un peu comme Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent. Et j'adore cette chanson parce que c'est une déclaration d'une femme de 36 ans qui ne sait pas si elle peut plaire à ce jeune homme de 18 ans. Et j'aime l'entendre fragile comme ça et j'avais envie de me l'approprier. Et on a très envie de vous entendre s'il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Avec la candeur infernale de sa jeunesse, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais de foi. Dis-y-t-on.
moment suspendu. Tout s'est bien passé finalement. Tout va bien. Non mais vous vous rendez compte quand même de la pression de chanter Dalida dans une émission où on parle de Brel, de Barbara et où il y a trois chanteurs extraordinaires. Je ne peux être que tremblante. Tremblotante. Ah, tout va bien. Tremblante. On adore les erreurs. Tremblante. Tremblante. Un mélange de tremblant et de flamboyant finalement. Voilà, ouais, tu es tremblante. On valide. Super mot, mais c'est un mot magnifique que tu as. Un néologisme qui sera né ici sur les viens, ouais. Je t'emmène. On valide. Clara, tout à l'heure, tu nous chanteras le reste, non pas de Dalida, mais de cette chanson extraite de ton album Cœur, un vrai délice. Allez, viens, je t'emmène au Music Hall. Continue avec des artistes qu'on adore. Ils viendront tous nous rejoindre. Patrick Fiori, Camélia Jordana, Nicole Croisi, Kenji, Shimane Badi, la troupe de Herbie Dance Company, Alex Vizorek, Lola Dubini, Daniel Lévy et toujours des archives à tomber, évidemment. Merci, Julien Doré, d'avoir été avec nous. Clara Luciani, Carla Bruni, on vous retrouve tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Julien Clerc, merci d'avoir été à nos côtés. Je vous laisse rejoindre la scène pour nous interpréter ce texte solaire de Clara Luciani, évidemment, qui nous donne envie de voyager, d'aimer et de danser. On en est tous fans ici, ça s'appelle Mon Refuge. Merci. Cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Des pommiers, ce sera dimanche tous les jours de l'année. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi. Merci Julien Clerc, Mon Refuge, l'extrait de l'album Terrien, dont une réédition collector est déjà sortie. Et puis il y a cette tournée Les Jours Heureux dans toute la France avec plusieurs soirées, au Palais des Congrès notamment. Et bonsoir Kenji, bonsoir Shimane Badi, bonsoir Patrick Fiori. Bonsoir vous, bonsoir les musiciens, bonsoir tout le monde. Allez, on vous amène devant le Café des Artistes, vous vous souvenez, là où Piaf se produisait à ses débuts, dans les rues, les squares ou encore les terrasses de café.
Joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste. C'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts s'équilibrent de l'artiste. Salut. Une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts s'équilibrent de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, parle bas, parle haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous ses beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, ses doigts secs et nerveux. Thank you.
Merci. Le public, Kenji, Patrick Fiori, debout. Un musicien, hein. Je ne suis pas toute seule. Hein. Quand Chimène Badi s'attaque à du Piaf, un immense merci à Laurent Derache, à l'accordéon, à tous les artistes du Moulin Rouge. On remercie évidemment accessoirement Votre pour ces décors à tomber. Également les costumes du Moulin Rouge. Vous nous avez scotchés. Je t'ai vu scotcher, ben oui, Kenji. Je suis vraiment scotché. Et comme je disais tout à l'heure, même avec une chanson assez rapide, assez festive, j'ai ressenti quand même... tu m'as fait frissonner, voilà, tout est beau. Tout le monde m'a fait frissonner ce soir. Je me suis passé un bon moment. J'étais dans un spectacle, j'avais tout oublié. Je me suis totalement régalé. Tu as réveillé en nous une âme d'enfant. On avait des yeux écarquillés. Ouais. Comment tu l'as vécu? Attends, tu vois là que j'ai pas encore atterri ou pas? Tu vois tout ému, Patrick. Non, non, mais je suis tellement émerveillé parce que bon, déjà, Chimène, c'est pas possible. Il faut, c'est pas possible. Cette voix, c'est pas possible. Je suis tellement passionné par ce que vous transmettez. Enfin, le film que vous nous avez proposé là, c'est juste merveilleux, quoi. Vraiment, merci, quoi, parce que c'est sublime. Vraiment, on s'est régalé. C'est une partie de la troupe du Moulin Rouge qu'on espère évidemment sincèrement retrouver très vite sur scène au Moulin Rouge. J'ai été honorée d'être accompagnée aussi joliment et j'ai été vraiment ravie de le faire à vos côtés parce que vous êtes de grands artistes pour moi. Et moi je suis très très heureuse qu'on puisse défendre la musique française. Merci de nous donner l'occasion de pouvoir chanter ce genre de chansons. Est-ce que ces histoires de cœur, quand on est blessé au fond du cœur, est-ce qu'on n'écrit pas les plus belles chansons d'amour finalement? Ça arrive. Ça peut arriver, hein. Pas mal d'artistes l'ont fait, je pense. Toi, tu l'as fait ou pas, Kenji? Ça t'est arrivé d'être inspiré par des histoires d'amour qui t'ont brisé le cœur? Qui m'ont brisé le cœur, non, mais d'être inspiré par des histoires d'amour ou dont j'ai rêvé quand j'étais petit et tout. Oui, je l'ai déjà fait en studio, mais pas de brisage de cœur, pas encore. Vous deux? À nous deux, mais on est une histoire d'amour tous les deux. Ah, ça fait longtemps, on n'est pas malheureux, on est très heureux. Mais on se connaît depuis longtemps. Ouais. Chimène, moi, enfin, je crois que je commençais à chanter, elle était là, j'ai commencé à chanter. Encore un jour qui se lève, encore un jour. C'était sur cette chanson. Ouais. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Et tu le sais que je t'aime. Qu'est-ce que j'ai pu chanter cette chanson à ma mère? Oh mon Dieu. On a chanté beaucoup ensemble avec Patrick. Ouais, ouais. Il a été, tu sais, par exemple, moi je me souviens d'un trio qu'on devait faire et j'étais hyper malade. J'étais très 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 malade et j'avais beaucoup de fièvre et j'avais la voix très fatiguée. Il me tenait la main, comme ça, derrière le dos. Et quand il fallait taper les notes compliquées à choper, il serrait de toutes ses forces, il me donnait de l'énergie. C'était trop beau, quoi. Mais on a vécu de très, très beaux moments. Mais tout ça, on ne le sait pas. Merci de nous le raconter. C'est pas grave. Kenji, tu t'es attaqué tout à l'heure au répertoire de Charles Aznavour. Il y a d'autres stars, icônes du musical qui t'ont inspiré, petit? Oui, il y a Aznavour, il y a Serge Lama aussi, que j'adore. Ouais. Que j'ai eu l'autre jour, j'ai eu l'occasion de discuter. Et j'ai pu lui dire que j'aimais bien ses chansons. Et voilà, quoi, c'était la première fois que je l'ai vu. Après tant d'années, quand j'écoutais ses musiques et tout, le voir après tant d'années, ça me fait toujours bizarre, quoi, de découvrir des artistes que j'aimais bien comme ça. Donc, et ça t'a impressionné de le rencontrer? Ben, ça m'a impressionné, bien sûr. Et comme elle dit Chimène, j'étais fatigué aussi vocalement et tout. J'ai essayé de refaire une chanson à la guitare, de lui chanter une chanson pour lui faire plaisir, mais ma voix, elle n'était pas très... Mais je lui chantais quand même. Avec et c'est le moment de se rattraper. On t'accompagne? Pourquoi pas? Allez, Kenji. Attends, en plus, il y a la guitare, il y a tout. C'est bon, on est prêt. Je la prends toujours avec moi, comme ça. Du Serge Lama par Kenji, quel cadeau. On t'écoute, mon Kenji. Je ne fume plus, je ne rêve plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus envie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade.
bêtement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu pars, on ne sait jamais quand. Tu reviens, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. C'était canon, merci. Merci beaucoup. Patrick, quand on a préparé cette émission ensemble, qu'on t'a parlé de Music Hall, tout de suite, tu as fait référence à Joséphine Baker. Qu'est-ce qui t'inspirait dans cette femme? Elle, ce qu'elle transmettait, et puis cette audace, le comportement qu'elle avait, à la fois merveilleux, à la fois rassurant, provocateur, provocatrice. Mmh. Et moi, ça, je trouve ça génial, quoi. Quand on connaît l'histoire du combat que les femmes déjà menaient à l'époque pour essayer d'avoir leur place, pour essayer déjà de dire coucou, on est là, quoi. Elle avait déjà passé plusieurs barrières, plusieurs frontières pour nous transmettre ce message-là. Alors en plus, avec sa grande voix et avec son talent immense, moi je suis fan, quoi. Je suis très admiratif. Première star, icône noire au monde, ouais. Est-ce qu'il y a une chanson qui touche plus qu'une autre? Ah oui, il y en a une qui me touche beaucoup, mais que j'aime, mais que je chante tout le temps, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je fais un extrait tout le temps avec mes amis et tout, et c'est « Me revoilà Paris ». Tu nous l'as fait? Bien sûr. Non, il y a que Kenji qui peut tenir les notes un quart d'heure comme ça. Oula. 1, 2, 3. Me revoilà. Paris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi comment. Peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi, Paris. Quand j'ai chanté J'ai deux amours, j'avais fait le pari que cela durerait toujours. Tu sais, je n'oublie pas que c'est grâce à toi si je joue les vedettes. Et si j'ai vu mon nom sur les néons de chaque nation, me revoilà Paris. Et bravo, merci de nous avoir réinterprété Joséphine Baker à votre manière. Merci pour cette note. Oh là là, c'était prévu ça ou pas? Patrick, il m'a pris au dépourvu. Ouais, au dépourvu, mais il tient un quart d'heure quand même la note. Donc hein, il est mis là. Moi, j'allais la tenir encore. J'avais pas compris qu'il fallait arrêter, tu vois, que la chanson allait démarrer derrière. Je me suis dit, j'allais rester longtemps. Et merci de nous partager cette belle énergie. Et j'espère que cette chaleur et cette générosité, vous la percevez chez vous, à la maison. Allez, de retour dans notre grand jeu de la soirée. Félicitations à notre premier gagnant, dont le nom s'affiche juste ici, en bas de votre écran. Vous remportez 2000 euros. Eh, c'est pas rien. Et vous savez quoi? On va continuer de vous gâter avec un superbe chèque, cette fois, de 3000 euros. Alors, pour tenter de faire partie de ce tirage au sort et de remporter cette très belle somme, répondez correctement à cette question. Comment était surnommée Édith Piaf à ses débuts? 1. La Mom Piaf, 2, la petite Edith. Vous connaissez évidemment la réponse, alors appelez dès maintenant le 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. Bonne chance à tous et on se retrouve tout à l'heure pour découvrir le nom du gagnant. Patrick, j'aimerais qu'on revienne sur cette chanson On Se Love qui parle de retrouvailles avec le public, avec les amis. C'est une chanson un peu thérapie, j'ai l'impression, non? J'ai eu envie, en fait, dans cette chanson-là, juste de dire aux gens, malgré tout ce qu'on est en train de traverser, tout ce qui nous bouleverse, n'oublions pas. N'oublions pas l'amour qui est là au fond de nous, au fond de nos cœurs. Et donc, On Se Love, c'est l'espoir, bien sûr, de se retrouver enfin et de se prendre dans les bras. Voilà. Si on se lovait un peu, ça serait bien. On te laisse rejoindre la scène pour nous interpréter On Se Love, Patrick Fiori.
quand je t'ai promis tous les infinis, un nouveau départ, amour et ami, de loin et d'ici, rendez-vous ce soir. Après le silence, après les distances, donnons-nous du sens. S'il reste une chance de s'aimer encore, on se si loin, entends-tu le bruit des joies qui reviennent? On écrit demain à l'encre des nuits, ta vie dans la mienne. On peut croiser nos regards sans détourner les yeux, rien que pour voir, même s'il est trop tard, décider d'y croire. Et en plus, ce soir, les premières danseuses de ma vie. Voilà, c'est la première fois. Voilà, je fais un petit... Merci Patrick, Patrick Fiori, On se love. Extrait de cet album génialissime, Un air de famille, qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui nous fait positiver. Quel honneur d'accueillir sur ce plateau la grande, l'immense Nicole Croisy. Merci. Merci. Nicole, le musical dont on parle depuis le début de cette soirée, ça coule un peu dans vos veines, on est d'accord? Oui, j'ai commencé par la danse, donc, je me suis retrouvée avec Joséphine Baker à l'Olympia, dans sa première grande revue. J'avais exactement 20 ans. Évidemment, ce soir, on va chanter ensemble, vous allez nous faire revivre ces années musicales, toutes vos anecdotes. Toutes ces histoires d'amour aussi du musical. Alors au départ, la particularité du musical, c'est le mélange des genres. On ne vient pas seulement pour voir un artiste, on vient s'asseoir, on vient se distraire, rire et s'émouvoir. Et oui. Alors eux auraient pu être les meilleurs ambassadeurs du musical. Claquettes, danse urbaine, percussion, un concentré de talent et de good vibes. C'est la Herbie Dance Company. To be, this is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the streets begin. We are bursting through the barricades, reaching for the sun. We are warriors. Yeah, that's what we're about.
bird gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Ils enflammeront la scène du Mogador prochainement et seront en tournée dans toute la France. Quel bonheur, Romain Racheline, venez nous rejoindre. On vous laisse reprendre votre souffle, promis. Patrick Chimène, vous connaissiez ? C'est moi qui m'occupe, je m'occupe de tout. C'était canon. Non, c'était super. Bravo. C'était énorme. Nicole, vous êtes essayée aux claquettes ? J'en ai fait, ah oui, il y a quelques années, oui. C'est difficile ou pas les claquettes alors ? Très. Ouais ? C'est quoi le plus difficile ? C'est crevant d'abord, c'est très essoufflant. Et les frappes, c'est difficile parce que ça doit être très précis. Et Romain, il est exceptionnel. Est-ce qu'on peut en débriefer ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans les claquettes ? Ce qu'il y a de plus difficile dans les claquettes, c'est d'harmoniser la musicalité, donc les frappes, les sons, avec le corps et d'avoir un tout qui soit homogène. À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais mettre en scène un spectacle autour des claquettes, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Oui, en fait, j'avais envie d'amener les claquettes dans une dynamique avec une musique un peu plus actuelle, un peu plus moderne aussi, pour le rendre accessible aux plus jeunes. Et donc, effectivement, on a créé ce spectacle qui mélange les claquettes, le jazz urbain, qui est narratif, qui est très visuel aussi. Merci, Romain, d'être avec nous, de nous partager cette performance. Encore de belles surprises à suivre dans « Allez, viens, je t'emmène ». Des décors au musical, évidemment, Nicole Croisi et Camélia Jordana qui vont nous offrir un duo inédit et puis aussi des belles voix, deux belles voix d'exception pour nous chanter l'envie d'aimer. Et Kenji, dans quelques instants, tu vas aller rejoindre Soul King pour chanter Bébéto. Mais avant, évidemment, quand je te vois avec ta guitare à côté de toi, tu me vois venir, j'ai forcément envie que tu nous chantes cette chanson que j'aime d'amour et qui nous donne envie d'aimer aussi et de crier haut et fort qu'on aime nos mamans. Ah, ok. Vous ferez les yeux de la maman. Bien sûr. Merci, Kenji. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Estimée maman. Waouh, Nicole, elle peut qu'émouvoir cette chanson, on est d'accord ? Ah oui, non, mais il l'a écrite pour moi. C'est vrai ? C'est oui, aussi pour bien vous, sûr. Bien sûr. Hein ? Aussi pour vous, bien sûr. Bah oui. Il y en a une autre, Abibi. Vous la connaissez, Abibi, Nicole, ou pas ? Tu nous l'as fait ? Bien sûr. Ouais, on continue sur ces bonnes vibes de love. On veut ça. Là, quand tu ris, quand tu pleures, quand plus rien ne compte à tes yeux, c'est la vie, n'aie pas peur, rien au monde est plus fort que nous deux. Qui a dit que les fleurs ne poussent que près de chez eux ? Je me souviens encore quand tu me disais Ya Habibi, amour. Ya Habibi.
version acoustique dans cette nouvelle version de ton album, Milida. Exactement. Mais pas que, il y en a d'autres aussi, des titres en acoustique. Oui, il y a pas mal. J'ai fait 3 titres acoustiques avec plein de petites surprises à l'intérieur de l'album. C'est plutôt pas mal, je vous le conseille. Allez-y, vous promenez, vous allez vous régaler avec. On vous le conseille. Et merci de nous l'avoir fait vivre et partager en live. Avec plaisir. Cette guitare te va si bien, Kenji, on est sous le charme. Merci. Je te laisse aller rejoindre dans un autre style ton copain Soul King, le rappeur. On vous écoute tous les deux avec ce titre de folie, Bebeto. Ça compare, mais yo vamos! T'as la sa, Soul King! Nanana, j'attendrai pas demain. J'aimerais que toi tu fasses de même. Je vais te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du pays de Neymar. Elle danse la Macarena. Je lui fais des blagues, elle casse des bars. Elle sourit, je perds les pédales. Bebeto, je dribble et je mens. Elle a beaucoup de prétendants. Pépita, tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Bessamé, si Bessamé, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Je suis quand même. Elle me demande où je veux aller. Elle lit dans mes yeux. Mes connaissances s'est emballée. Depuis mon chéri bleu. Bebeto, je dribble et je mens. Elle a beaucoup de prétendants. Pépita, tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Bessamé, si Bessamé, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Bravo. Côté de chaque salle de spectacle, il y a forcément un café, le fameux café des artistes. Nicole. Ça va me rappeler le fameux café à l'Olympia, qui était le café de Marilyn. On y allait dans la journée, quand on répétait, on y allait avant le spectacle. Quand on allait voir les autres travailler, on allait quand même prendre un pot chez Marilyn. C'était le lieu de rencontre pour tout le monde, quoi. Nicole, vous savez quoi? J'ai envie de vous amener dans ce fameux café des artistes. Regardez, il y a même une chanteuse qui est déjà assise à table. Mais formidable. Alors là, on va changer de lieu. Ça monte. La
chante tout bas. Nos cœurs y voient comme une chance, comme un espoir, comme la vie au pas. Combien de joie, bien des drames. Et voilà, c'est une longue histoire. Comme nos cœurs y voient, comme une chance. Heureusement que tu la connais. Surprise. Chance, non? On a les mêmes idées, hein, toutes les deux. Chance qui passait là. Attention. Chance avec tout le monde. Pour toi. On s'est fait des surprises. Ah, c'est drôle. Merci, Camélia. Merci, merci, Nicole. Merci, Nicole Croisi. Merci, Camélia Jordana. Venez nous rejoindre. Magnifique version d'un homme et d'une femme Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966. J'ai l'impression que vous êtes un peu challengée, là. Il s'est passé un truc. Oui, parce que quand on m'a proposé de refaire un homme et une femme, j'ai dit, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années, il faudrait peut-être trouver une façon de la faire en duo qui soit un peu différente. On a regardé la chanson une fois et je lui dis, on va essayer d'harmoniser, mais on va le faire à l'improviste. Et donc, on a souvent toutes les deux les mêmes idées en même temps. J'ai donc, vu ça. Par moment, on s'est retrouvés sur les mêmes notes, alors qu'on essaye en fait, de faire des harmonies, quoi. Voilà. Il y a une complicité qui s'est créée, non? Oui, aujourd'hui. En fait, j'ai halluciné, quoi, surtout. En fait, juste de comment vous envoyez, moi, je suis trop fan, en fait. Et du coup, c'est un peu le premier truc que j'ai dit à Nicole en vrai, quand on s'est vu, parce qu'on s'était parlé rapidement au téléphone. Et je lui ai dit, bonjour, la vache, ce que vous envoyez du bois. Au moins, ça le mérite d'être clair. Comment vous étiez dans ce décor d'époque? Ça vous a amusé? En tout cas, ce n'était pas des expressions comme ça. Ça, c'est récent pour moi. Envoyer du bois?
Envoyer du bois, vous connaissiez pas? Non. Vous pourrez la réutiliser maintenant. C'est plus récent. J'essaye de me tenir à flot, quoi. Mais la vache, ça se disait dans les années 60. Oui, la vache, ouais. Oui, mais la vache, c'était carrément insultant de mon temps, comme on dit. J'ai déjà passé ce stade-là, moi. Je suis encore plus vulgaire que ça. C'est vrai. Mais je ne le fais pas devant tout le monde. Ouah, la vache. Donc, en fait, c'est pas nous qui allons la coacher. C'est elle qui va nous coacher. C'est elle qui nous donne des leçons. Nicole Croisi, on est vraiment très, très heureux et honorés de vous recevoir ce soir. L'incarnation parfaite du musical, c'est un peu vous, finalement. Le musical, ça serait rien sans sa meneuse de revue, celle qui fait tourner toutes les têtes et déchaîne les passions. On regarde des images et on débriefe juste après. Que j'ai de grandes canottes, que je n'ai que trois notes, c'est vrai. On dit d'elle qu'elle a de belles gambettes, mais aussi un caractère bien trempé, le sens de la répartie et une aura incroyable sur scène. Les jambes de Miss Tinguette sont célèbres à travers le monde, autant que celles de Joséphine Baker. J'ai deux amours. Repérée aux États-Unis, elle est invitée à se produire en France et osera tout aux Folies Bergères, au même titre qu'elle ose tout dans la vie. Paris devient alors son deuxième amour. J'ai deux amours, mon pays et Paris. À la fois muse et femme engagée, elle marque son époque tant par sa grâce que par son humanisme. La revue peut mener à des carrières internationales. Quand la ballerine Zizi Jeanmer se lance au musical, elle est loin de s'attendre à un tel triomphe au-delà des frontières. J'ai du soleil dans la tête. Mais la première française à avoir conquis le cœur des Américains, c'est Lynn Renault, avant d'enflammer la scène du Casino de Paris en 1959. Je crois que nous sommes prêts et ça a demandé énormément de travail pour essayer de mener cette revue à bien. Annie aussi aime les plumes. Remarquée sur scène à Bruxelles par le patron du Lido, Annie Cordy fait ses débuts à Paris en 1950 comme meneuse de revue. Chantez la vie, chantez l'amour, oui, c'est ça. C'est cette performance pluridisciplinaire qui caractérise les déesses de la revue. Tantôt femme fatale, tantôt femme enfant, la sensualité arborée de plumes d'ange, la meneuse de revue, c'est cette artiste qui représente la féminité à son paroxysme. Alors la tradition se perpétue de génération en génération, notamment avec notre sublime Iris Mittenaere, ex-Miss Univers, qui a envoûté la scène du paradis latin. Chimène, vous aussi vous avez des talents de danseuse, ça vous aurait plu d'incarner une revue, de faire du musical comme ça, meneuse de revue? Non, je pense pas, non. J'aime m'exprimer au travers d'un texte, mais tout d'un coup, porter des tenues beaucoup plus sensuelles, voire même sexy, s'exprimer avec le corps, c'est encore autre chose. Et Nicole, vous pouvez confirmer ça, vous avez été meneuse de revue à New York, c'est ça? Oui, non, mais à New York, j'ai fait partie des Folies Bergères et il fallait descendre les marches. Et ça, il fallait travailler pendant 8 jours pour être capable de le faire, parce que les marches sont très étroites. Donc, c'était à peine 13 centimètres. Donc, il fallait mettre le il fallait le pas faire du 42, pied. Quoi. Non, il fallait mettre le bout du pied et descendre. Et on apprenait à descendre en courant. Il y a toujours au moins une ou deux filles qui tombent. Très dangereux. J'ai aussi entendu parler d'un pseudonyme. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est un metteur en scène de cinéma, Marcel Carnet, qui a voulu montrer où en était la jeunesse de l'année 68. Il s'est aperçu en faisant ses repérages que la génération 68 écoutait surtout de la variété anglo-saxonne. Donc, j'ai fait les maquettes et on ne lui a surtout pas dit qui j'étais, parce qu'en 68, j'avais déjà fait un homme et une femme. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui chante pour chanter autrement. Et le producteur m'a dit, tu ne viens pas dans la cabine de son, tu fermes le clapet et tu chantes. Et si ça marche, tu viendras nous retrouver, on t'appellera. J'ai fait 3 prises et après ils m'ont fait « tu peux venir ». Et à ce moment-là, on lui a expliqué qui j'étais. Et là... Mais il a fallu que ce soit un nom anglais parce qu'il n'y croyait pas du tout. Je me suis appelée pendant 6 mois, je me suis appelée Tuesday Jackson. Et puis on m'a vue sur scène et on a dit... Allez, montrez-nous comment ça fait. Montrez-nous. J'adore ce gag. I'll never leave you.
I'll never leave you. I know that my life would mean nothing without you. It's me and you forever. It's me and you. For what else can I do? Empty world without you. I'll stay with you forever. I'll stay with you for what else can I do? Loïc Pontieux à la batterie, Bertrand Commer à la guitare. Merci, merci les gars. Et que je vous dis, ça c'est une petite anecdote, mais le batteur, Loïc, le batteur a commencé un petit peu à 21 ans avec moi. On commençait. Oh, mais du donc. Il s'appelait Croisé Jazzy. Et je l'ai connu, c'était un bébé quoi. Il nous avait pas tout dit, Camélia. Entre ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé tout à l'heure, l'anecdote Marcel Carné, vous m'avez terminé. Merci, vraiment. Et merci pour ce que vous avez partagé, ça me touche énormément. Impressionnante, hein. On avait chanté ensemble en plus. À Montréal. Tu te souviens ? Avec Zaz et toi, et là c'était quelque chose quand même. Un peu que c'était quelque chose. Il fallait découper la chanson. Je les ai prises la veille au soir dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel où on était. On arrivait. Et c'était d'ailleurs Daniela Lombroso, notre productrice aujourd'hui, qui était déjà la productrice. Qui produit cette émission. On peut l'applaudir parce que... Elle nous fait toujours faire des choses épatantes. Et c'est donc... pas terminé parce que t'as quelque chose à chanter encore à Nicole. Et là, j'ai bien l'impression, nous surprendre. En fait. Allez, j'ai carrément méga la pression. C'est une surprise, alors ? Bah, écoute, oui. Musique. Mais là, si je te regarde dans les yeux et tout, je crois que je vais pas y arriver. Allez, musique. Si je regarde ailleurs. Je fréquentais des hommes alors un peu bizarres. Aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Tu ressemblais un peu à cet air d'avant, où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. Je marchais tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour près de toi. Le temps me paraît si court, parce que tu es un homme et que tu es gentil, et que tu sais rendre belles nos vies. Toi, tu es gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme.
Hein. Nicole Croisi, qu'on retrouve dans ton album Entre nous. Bah oui, parce que moi j'ai repris cette chanson que j'aime tant qui s'appelle Parlez-moi de lui, qui est une chanson que je trouve extraordinaire et musicalement quand on avait envie de voilà, quand on avait envie de partir sur quelque chose d'un peu plus soul. Bah, Parlez-moi de lui, pour moi, c'était d'une logique parce que déjà à l'époque, ça sonnait déjà un peu comme ça, elle avait déjà un peu ce petit côté. Et je me suis dit, ok, le texte c'est une tuerie. La chanson, c'est une tuerie. Il n'y a plus qu'à l'emmener là où j'ai envie de l'emmener et ça va être génial. Et elle me suit. C'est une chanson que je chante sur scène tout le temps et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup et qui a pris une place très importante dans ma vie d'artiste. Camélia, toi aussi, tu nous transportes avec cet album Facile, Fragile, qui est un énorme carton en France. Comment tu puises toute cette inspiration? Comment tu reçois ce succès? L'époque, elle est quand même très, très inspirante. Hein. J'ai la chance d'être sensible au monde en fait, dans lequel je vis. Et malgré moi, le passage à l'âge adulte a généré chez moi beaucoup d'interrogations. Et du coup, j'ai lu quelques bouquins qui m'ont révélé beaucoup de choses sur celle que je suis, sur le monde dans lequel j'évolue et grâce auquel je continue de me rééduquer, on va dire. Et tout ça fait que, en plus, à notre époque, si tu veux, tout se répond. Quoi. J'avais beaucoup de chansons, là. Des chansons qui nous apprennent beaucoup sur le monde qui nous entoure. Tu vas justement aller nous interpréter un extrait de ton album. C'est le moment d'aller le changer. C'est un peu ça, l'ambiance du musical. On change de tenue, de décor. Je te laisse aller te changer. On se retrouve pour ce titre. À tout de suite. À tout de suite. Et quand on pense au musical, on pense forcément au Moulin Rouge, ça tombe bien. Une partie de la troupe est avec nous ce soir et on n'allait pas s'en priver. Ah yeah ! Allez, c'est parti. Du Moulin Rouge pour cet extrait de leur spectacle Féerie. On a hâte de les retrouver sur la scène du Moulin Rouge. Et maintenant, c'est au tour de Camélia Jordana qu'on retrouve pour un extrait de son album Le Monde en Main, un titre engagé dans lequel elle se met dans la peau d'un homme. Je domine
à l'aise. J'écrase et j'oppresse, si loin de savoir tout ce que j'incarne. Voilà le concept, je veux que t'acceptes devant moi de baisser la tête et les armes. Je ne m'autorise que peu de confidences, mes émotions assourdies par le silence. Mon genre en médaille drapé dans ma confiance, maintenant je me lance. Je me convainc, j'affirme en vain, sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. Comme un homme, l'âme sur moi, quand mon ego en fait des tonnes. Je me vois grand, me sens vivant et je frissonne. Je ne me soucie que peu de tout détruire. Quand je cours, je cours, je cours pour ne pas fuir. Déconstruire et défaire, ne m'importe guère, mes précieux privilèges, je me les garde. Je ne m'autorise que peu de confidences, mes émotions assourdies par le silence. Mon genre en médaille drapé dans ma confiance, maintenant je me lance. Je me convainc, j'affirme en vain, sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. Le monde en main, extrait de ce double album Facile, Fragile, Camélia, qui sera en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse et en Belgique, dès la rentrée prochaine, avec un passage par la salle Playel. Allez, de retour dans notre grand jeu du soir. Toutes mes félicitations aux gagnants qui remportent 3000 euros et dont le nom s'affiche juste là, en bas de votre écran. Allez, dernière chance de la soirée pour jouer. Attention, on met le paquet cette fois. 5000 euros sont à la clé cette fois. Alors pour tenter de faire partie du tirage au sort qui aura lieu dans quelques instants, répondez correctement à cette dernière question. Comment s'appelle la célèbre danse des artistes du Moulin Rouge ? 1. Le cha-cha. 2. Le French Cancan. Évidemment, vous connaissez la réponse comme Nicole. Vous avez 5 minutes pour tenter votre chance en appelant le 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. Et le nom du grand gagnant s'affichera à l'écran en toute fin d'émission. Bonne chance à tous. Forcément, dès qu'il y a quelque chose à gagner, il y en a un, il est là. Bonsoir. Hein. J'avais la réponse. Je l'ai dit pas. Alex Pizorek. Merci de nous rejoindre. Merci de nous amuser aussi tous les jours sur France Inter. On va parler d'humour, évidemment, avec vous. Bah, quand on parle de musical, on parle d'humour aussi. On est d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le musical, ça t'a inspiré pour ton humour, pour tes écritures, à toi ? Mais tout à fait. Et fut une époque où c'était beaucoup plus marié. C'est-à-dire que Nicole Croisier a eu Pierre Desproges en première partie. Oui, ça ne se sait plus. Et ça ne se sait plus, mais oui, ça se fait plus. Il présentait toute la soirée. Voilà. Et je crois que Pierre Perret a fait des premières parties de Raymond Devos. Donc, il y avait un truc où les soirées étaient plus variées, plus complètes. Et donc, je suis ravi d'être... comme ça, discrètement, avec les chanteurs. Et tu sais quoi, on va se rafraîchir la mémoire ensemble. On a les images. Alors, pour intégrer cette grande famille du musical, vous l'avez compris, il faut avoir du talent, il faut savoir chanter, danser, jouer la comédie ou faire rire. Flashback.
Alors, ça va bientôt être à moi ? Oui, oui, oui. Le petit coup de chance. Si le musical a révélé de grands chanteurs, il est aussi à l'origine de carrières d'un bon nombre d'humoristes. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Bourvil, qui fut lui-même grandement inspiré par Fernandel, si je puis m'exprimer ainsi. Dommage, je dis toujours des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi. Pour le musical, nous n'avions pas de micro. À ce moment-là, on pouvait jouer une chanson. Car maintenant, avec ce micro qui vous coupe la silhouette et qui vous oblige à rester statique, eh bien, on ne peut plus jouer la chanson telle qu'on la sent. Avec ou sans micro, Fernand Reynaud avait l'art de se faire tout à fait comprendre par son public. Tandis que d'autres n'ont rien à dire, mais le disent très bien. Parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Ceci dit, avant de jongler avec le non-sens des mots, Raymond DeVos pouvait être un spectacle vivant à lui seul. Il savait absolument tout faire sur scène. Un ADN de génie, Thierry Leluron devait en avoir un lui aussi. Virtuose de l'imitation, il est le premier à importer cet art dans les grandes salles. Disons qu'il y a certains artistes qui ne sont pas très heureux. Je les imite, pourtant c'est dommage parce que moi j'aime bien tout le monde. Fin des 70s, les projecteurs se posent sur un humour plus provocateur et le public en redemande. Où elle est ma copine ? Où elle est ma copine ? Ah ! Voilà, oh là, elle a égaré son panty. Où est sa culotte ? Où est sa culotte ? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai entendu énorme salle de musical hurler de rire. Et la grande tradition du musical continue de se transmettre d'humoriste en humoriste et de génération en génération. Et je m'en vais, clopin, clopin. Alex, mais oui. Tu te sens un peu lié à cette grande famille des humoristes ou pas ? Bah, c'est toutes les légendes. Alors, vous avez parlé d'Annie Cordy. Alors, évidemment, en tant que Belge, ça m'a parlé. Elle était sans doute aussi drôle qu'elle n'était bonne chanteuse. Et donc, c'était un chouette compromis. Et toi, t'avais envie de rendre hommage à un texte qui n'a pas beaucoup été repris. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de venir dans une soirée musicale. Ouais. Et j'ai dit, est-ce que j'essayerais pas de faire un entre-deux ? Alors, comme Fernandel avec Félicie, comme Bourvil. Et j'ai choisi cette chanson de Fraxon, qui était dans les années 10. Et c'est presque une blague en chanson. 1910. Voilà. Et Barbara l'a reprise dans les années 50-60. Elle s'appelle « Les amis de Monsieur ». Et je me suis dit que peut-être ça vous ferait marrer. Eh bien Alex, je te laisse rejoindre la scène et soyez bien attentifs aux paroles chez vous car, comme dans n'importe quelle histoire, drôle, tout est dans la chute. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Vladipa qui reluque sa servante et qui la reluque en amateur. Il lui murmure, dites donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentille. Et votre personne, crénom d'un chien, au naturel, doit être très bien. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il fait la cour. Et pour décrocher la timbale, lui jure toute une vie d'amour. Voyons donc, ne fais pas la dégoûter. Au contraire, tu devrais être flatté dans ta chambre. Je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Il paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria, tout folichon, j'ai jamais vu si beau. Ah!
monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur m'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette et céda, sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, tu es exquise, c'est merveilleux, et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que madame, pardi. Tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Merci. Oh là, quel stress de chanter devant deux grandes chanteuses. Un régal, mais vous l'avez réinventé. Tu l'as réinventé à ta manière en plus. Non, je préfère maintenant que je suis chanteur que vous me vouvoyez, Laurie Tillman. C'est vrai que j'ai eu tendance à vous vouvoyer après cette prestation incroyable. Eh bien, je vous remercie, Laurie Tillman, d'avoir trouvé ça formidable. Non, écoutez, cette chanson est tellement drôle. Et Barbara, qui est quand même connue pour être quelqu'un. Enfin, les gens n'ont l'image que de l'Aigle Noir. Elle a chanté ça et c'était drôlissime, évidemment. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, on adore. Complètement. Le bourgeois qui se fait prendre son mauvais jeu de mots par la bonne, on adore. C'était vachement bien. Ah ben merci, je suis trop content. Promis, je te jure, c'était super bien. Je t'ai cru, ton histoire et tout, j'étais à fond dedans. Est-ce que tu te serais retournée sur le siège de The Voice? Ouais. Tu sais quoi, Chimène, tu pourras aller l'applaudir directement sur scène au Théâtre de l'Œuvre à partir du mois d'octobre dans ton nouveau spectacle Ad Vitam. Tout à l'heure, elle nous a chanté du Dalida, une icône du musical. Clara Luciani revient pour nous ce soir avec le reste. Je suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film, le début était beau. Je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens, on laisse. Le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Son pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout caché. Je sais, j'ai tout caché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je le retiens, on laisse le souvenir aimé de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'est infligée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde. T'en sortir à ma veille, et puis ton bonheur me le rend cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos.
Le reste, je te laisse, mais je retiens ou laisse les souvenirs plus de ton connu. Le reste, je te laisse. Le reste, je te laisse. Merci Clara Luciani. Le reste, extrait de l'album Cœur qui sortira le 11 juin prochain. Et bonsoir Lola Dubini. Bonsoir. Et bonsoir Daniel Lévy. Bonsoir, bonsoir Merci à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue sur notre plateau, direction le musical. Au musical, vous le savez, il y avait toujours des premières parties, des dresseurs de caniche, des prestidigitateurs. Vous aimez d'ailleurs la magie ou pas? Oui. Ouais. Vous connaissez le, je dirais la télépathie? Oh là, ça, ouais, m'intrigue. Ça vous parle ou pas? Ça me parle. Ouais. Bah, ça tombe bien. Changement de décor, changement d'ambiance. Léo Brière nous embarque un peu dans son univers. Je ne peux pas vous en dire plus. Mon nom est Léo Brière et je suis mentaliste. Durant les plus grandes années du musical, les plus célèbres mentalistes étaient un duo de télépathes du nom de Mir et Miroska. Ce soir, j'ai décidé de leur rendre hommage à travers un numéro de lecture de pensée. Pour ça, je vais demander à toutes les personnes du public de bien vouloir sortir un objet personnel et de le placer entre leurs mains. Et Lola, je vais vous demander de penser à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. C'est peut-être un membre de la famille, un ami, peu importe. Ok. Mais pensez à cette personne. Ok. Bien. Les personnes du public, cachez bien entre vos mains un objet et... Ça me fait peur, Laurie. Je vais aller par ici. Mademoiselle, juste ici. Ouais, vous. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Cachez bien ce que vous avez entre les mains, mais j'ai un ressenti sur cet objet. Je dirais que c'est quelque chose de plat, c'est quelque chose qui se trouve habituellement dans votre portefeuille. C'est une carte, je dirais, c'est pas une carte de fidélité, c'est pas une carte d'identité, c'est votre carte bancaire, on est d'accord? C'est bien ça? Alors je vais pas révéler tous les numéros de votre carte bancaire, bien sûr, à la télé, rassurez-vous. Pensez simplement aux quatre derniers. Regardez-moi, vous les connaissez? Regardez-les sinon, regardez-les. Il y a un 7, on est d'accord? Un 1? Encore un 1? Et un 2? C'est bien ça? Oui. Ok. Lola. Ouais. Lola, la personne à laquelle vous pensez, c'est une femme, nous sommes d'accord? Oui. Alors là, c'est important de le préciser, mais nous ne sommes pas complices, personne ne peut savoir à qui vous pensez là maintenant. Non, je ne vous connais pas du tout. Parfait. Je le découvre. Lola, j'ai l'impression d'une personne qui a beaucoup compté pour vous. Il y a un lien familial assez fort. Est-ce que je dois valider les infos? Là, si, je suis un peu paniquée. Si c'est exact, oui. Oui. J'ai un prénom qui me vient à l'esprit. Lola, pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous pensiez? Je pense à Suzanne, ma grand-mère. Suzanne, votre grand-mère? Non. Oh, arrête, non. Non. Attendez. C'est improbable. Attendez. Vous êtes jamais croisés, on confirme? Non, bah, très sincèrement, je le découvre. Ok, ça attendez, calme. Parce que j'ai aussi quelque chose par là. Vous, juste ici, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous vous appelez j'ai... Suzanne? Pardon. Rassurez-moi, vous ne vous appelez pas Suzanne. J'ai encore une carte aussi, pour... je viens vers les cartes ce soir. C'est pas une carte bancaire, on est d'accord? C'est une carte, j'ai un rapport avec une notion de transport, on est d'accord? C'est peut-être une carte de transport en Île-de-France, je vais pas dire la marque, mais c'est bien ça? Ok. Regardez votre carte, il doit y avoir votre prénom, il doit y avoir votre nom, et ensuite il y a plein de chiffres en dessous, c'est bien ça? Normalement, ok. Tous les premiers chiffres sont identiques, mais regardez les trois derniers. Regardez les trois derniers. Les trois derniers. Un 7, c'est bien ça? Un 9, un 4, 794, c'est exact? Merci beaucoup. Ok. Mais bon, il est vrai qu'à l'époque, cela se passait un peu différemment. Car à l'époque, Miroska était sur scène, les yeux bandés, pendant que Mir dans le public lui transmettait mentalement les pensées des spectateurs. Alors ce soir, j'aimerais essayer quelque chose avec vous, Laurie. Faut que je bosse encore. Eh oui. J'aimerais que vous preniez pourtant, la place. Là, spectatrice. Eh oui, mais justement, vous allez prendre la place de Miroska et vous allez tenter de lire dans les pensées d'un spectateur. Pression. Alors, venez me rejoindre, Laurie. Tout devrait bien se passer. Venez juste ici. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe, hein. Promis, on veille sur toi. Laurie, oui. Je vais vous confier un bandeau, je vous laisse l'examiner, et ensuite je vous laisse vous bander les yeux. Je vous libère du micro un instant. Oui. Et la pendant ce temps-là... on voit que vous avez l'habitude quand même, je ne ferai pas plus de commentaires, mais... pendant ce temps-là, monsieur, juste ici, vous allez faire un dessin en grand. Donc prenez votre temps, faites un dessin en grand sur ce carton. Laurie, vous avez bien les yeux bandés. Vous confirmez que vous ne voyez rien? Rien du tout. Parfait. J'ai envie de me lever pour... Laurie, vous allez vous concentrer. Et vous allez essayer de ressentir le dessin. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Thibaut. Thibaut, ok. Faites le dessin, Thibaut.
Et donc, Laurie, vous allez essayer de vous concentrer, de ressentir ce dessin. Dans un instant, je vais claquer des doigts. Quand je vais claquer des doigts, une image va apparaître instantanément dans votre esprit. 1, 2, 3. Une image vient d'apparaître dans votre esprit, c'est bon ? Je crois. Parfait, vous pouvez retirer le bandeau. Vous pouvez retirer le bandeau. Je vous donne de quoi écrire et vous allez faire le dessin, je vous libère du bandeau. Ah, vous le gardez, c'est parfait, allez-y. Je vous laisse faire le dessin qui vient d'apparaître instantanément dans votre esprit. Si Laurie fait exactement le dessin de Thibaut, c'est un véritable miracle auquel nous allons assister ce soir. Thibaut, cachez bien votre dessin, vous allez venir nous rejoindre tout en cachant le dessin. Cachez bien, surtout, c'est important. Thibaut, tout repose sur toi, mon pote. Hein. C'est bon, Laurie, vous avez terminé, presque Presque, il y a des petits détails. Ouais, presque, je vous libère du marqueur. Cachez bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, tous les deux, vous allez pouvoir nous montrer vos dessins. Et on va voir si ce soir, tout comme Miroska à l'époque, Laurie, vous avez réussi à lire dans les pensées. Vous êtes prêts tous les deux ? 1, 2, 3, montrez-nous. Thibaut, Laurie ? Non. Incroyable, merci beaucoup. C'est un clown aussi ? Alors, ok, bah, je change de métier, les gars. Hein. Je prends ta place, Léo, en fait. Hein. Mais c'est bon. Donc quoi, j'ai... Merci. Léo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est quoi ? C'est l'intuition ? On va les garder. Mais non. Vous avez la même manière de faire les oreilles, en revanche. Je ne suis pas au courant de ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Merci, Laurie. Je peux reprendre ma place ? Exactement. Merci beaucoup. Léo Brière, tu seras à la rentrée prochaine au Théâtre Trévise dans l'expérience interdite. Je suis obligée... On sera obligé d'y aller, les amis. On va y aller. On confirme. Ouh. Sauf s'il chope mon numéro de carte bleue auquel cas. Ouais, c'est chelou ça. Hein, c'est peu chelou. En fait, d'accord. C'est quoi, il a intégré une Wi-Fi, il a un Bluetooth. Le Bluetooth, certainement. C'est un truc de dingue. Bon, bref, mon Daniel, on est tellement heureux de fêter ce retour ensemble, ton retour. J'étais pas très loin, mais bon. Ouais, mais ça nous fait plaisir. Alors, Chimène, Lola, on est d'accord que les années musicales, c'est pas forcément notre époque. Hein. Je t'exclus pas du tout. Hein, j'étais presque vexée. Et c'est un... Voilà. En revanche, on ne peut pas évoquer ces années musicales sans parler des comédies musicales. C'est clair. Est-ce que tu serais d'accord, Daniel, d'aller te mettre au piano ? Si vous insistez, nous chanter l'envie d'aimer. On insiste. Et promis, vous serez bien accompagnées, les filles. Ah elles vont s'en donner à cœur joie. Je voulais dire que ce soir, c'est un feu d'artifice. C'est magnifique ce que je vois depuis tout à l'heure. Je suis en coulisses et je m'éclate. Oh, bah ça fait trop plaisir si vous passez un bon moment avec nous. Nous, on est trop contents alors. On va réaliser un petit rêve quand même. Ouais, vous allez réaliser un rêve là, je pense. Oui. Ouais, je t'ai dit, soirée pression. C'était que ça toute la soirée. Tout va bien. Pression. On est entre nous, on est en famille, on a dit. Ah, bah oui, carrément. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien. De le chercher tout le temps, ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie. Thank you.
donne l'envie, 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 l'envie de m'aimer. À la cool. C'est bon les sonorités jazzy. C'est, on peut appeler ça des soul, sonorités jazzy. Soul, bah, c'est soul, un peu ça, un peu ça, ouais, un peu ça. Ouais. Ça part sur du blues. Yeah. Ouais. Mais tu sais, Daniel, c'est ça en fait. Hein. À chaque fois, autour d'un piano, ça se transforme comme ça. Et ces sonorités, on les trouve dans votre album, grâce à toi, l'histoire continue. Oui, parce que mon ADN, c'est un peu ça. Moi, je viens du classique. Les grands compositeurs, et puis j'ai très vite fait l'école buissonnière avec la soul music, le jazz, et puis on retrouve tout ça sur mon album, quoi. Un album qui sonne un peu comme une ode à la vie, c'est un petit peu ça le message, et il y a une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, que j'adorerais que nous fassiez pendant que vous êtes au piano, Sur ma vie. Vous êtes OK? Ah oui, c'est ma part. C'est avec grand plaisir. Sur ma vie, je te jure de t'emmener à l'aventure sur notre amour. Je te promets des jours parfaits, jamais pressés, jamais lassés. J'invente un monde, des bruits et des images de nos désirs qui se répondent. Des avions blancs, de si jolis voyages pour s'évader de temps en temps. Yeah. Et j'enlève tout ce qu'il reste de raison, et je t'aime à ma façon. Sur ma vie, je te jure de t'emmener à l'aventure sur notre amour. Je te promets des jours parfaits, jamais pressés,
jamais lassé, juste enlacé, enlacé sur ma vie. Je te jure de t'emmener à l'aventure, et sur tes peurs je poserai la main qui saura te rassurer sur ma vie. Je te jure de t'emmener à l'aventure, et sur les chemins de notre jamais pressé, jamais lassé, juste enlacé sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Daniel Lévy, sur ma vie. Cet extrait, on peut le retrouver dans votre album Grâce à toi. Merci. Allez, les amis, on continue de rêver tous ensemble. Quelques images de ce qui vous attend dans notre prochain rendez-vous. Allez, viens, je t'emmène dans les années pop. Viens, je t'emmène où les nuages tristes vont s'amuser. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un fleuve. Ah bon? Oh oui, avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt. Oh, pour un flirt. Avec toi. Avec moi. Les pages rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais de Normandie, une mare avec des canards, des bombiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais de Normandie, la part. Quand tu es entre mes bras, que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. Ma Chimène, il y a une chanson que j'aime beaucoup de toi. Oui. C'est une chanson qui fait là-haut. Ah, qui fait là-haut et qui m'a fait beaucoup de bien en tout cas. C'est une chanson qui m'a porté énormément. Tu peux nous en faire un peu de bien là? Oui, avec plaisir. Allez, on prend. Fais-nous du bien, Chimène. Qui peut nous dire qui nous sommes? Rien ni personne, rien ni personne qui pourrait changer la donne. Rien ni personne, rien ni personne. Non, rien n'arrive par hasard comme nos vies qui s'égarent. Rien ne changera l'histoire. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma. Le destin nous entraîne,
comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma, oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Est-ce que l'avenir nous retient entre ses bras, entre ses bras? Et pourquoi remettre à demain? Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma, oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma, oh, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là, oh, ouh. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Ça, c'est sûr. Tout vient de là-haut. C'est vrai qu'elle nous fait du bien, cette chanson. Merci, Chimène. Là-haut, extrait de ton double album Best Of Entre Nous. Et dès que les conditions sanitaires le permettront, en tournée, on te retrouve. En tournée, juste en décembre. S'il vous plaît. Allez, on est à fond. On est à fond. On y croit. Malola, toi aussi, t'es un peu notre queen du musical 2.0. J'adore chanson, le mot queen, mais plus bien humour. Sûr. Bah, je sais pas si je suis une queen. Reine des réseaux sociaux. Tu as sorti d'ailleurs ton premier album, Je te dis, oui. Qui nous donne la pêche, l'envie de s'aimer, de positiver. Perso, que j'écoute tous les matins. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, vu qu'on est bientôt le matin, t'es OK pour nous faire je vous fais pour version. Qu'on s'aime. Allez, allez. Je vous fais le single pour qu'on s'aime, c'est parti. Il est dans les films, il est dans tous les scénarios. Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous rend héros. Je veux casser la machine de le voir partout, ça me rend miro. Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho. Oh, je sais plus sur quel pied danser. Oh, j'ai trop tenté sans gagner. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines. Parfois oui. Toujours savoir pourquoi on s'aime, pourquoi on s'aime. Vous aussi, vous allez l'écouter tous les matins chez vous, Pourquoi on s'aime, extrait de cet album génialissime, Je te le dis. Et Lola Lubini, vous pouvez aussi aller l'applaudir sur scène très vite, ça sera au Point Virgule avec ce spectacle où tu mixes aussi bien chant qu'humour. Merci, je t'adore, tu le sais. Voilà. On s'aime. Ça, c'est dit. On sait pourquoi on s'aime. On a le droit de se le dire qu'on s'aime, ça fait du bien. Et faut se le dire avant qu'il soit trop tard, car oui, le temps passe, mais n'altère rien nos souvenirs ni à l'amour. Et c'est justement ce que nous raconte Carla Bruni en chanson, comme si c'était hier. Trente ans sont passés en une semaine, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Ta main qui tenait toujours la mienne, sous ton manteau d'hiver, sous ton manteau d'hiver. Mais quand tu auras la fin du monde, alors tu me reviendras, alors tu me reviendras. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera.
mille ans sont passés en une seconde. C'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier que nos rêves nous faisaient des triomphes pour l'enfer, et tant pis pour l'enfer. Mais quand tu auras la fin du monde, alors tu reviendras, alors tu me reviendras. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. Viens voir la terre qui tourne rond, c'est comme si on pouvait croire, c'est comme si on pouvait croire que ta voix nous revient de l'ombre. On garde encore ta voix cachée dans un tiroir. Nos vies sont passées comme pour rire, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier que l'on s'imagine et devenait, mais tout n'est que poussière, oui tout n'est que poussière. Et quand viendra la fin du monde, alors je serai là, oui je serai là. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. On se retrouvera, on se retrouvera. Comme si c'était hier, extrait de l'album éponyme de Carla Bruni qui sera en tournée à l'automne, on a hâte. Et toutes mes félicitations aux gagnants qui remportent les 5000 euros et dont le nom s'affiche juste ici. Comme le disait François Morel plus tard, je voudrais être chef d'orchestre, trapéziste, artiste de musical, n'importe quoi, mais pas adulte. Alors j'espère ce soir vous avoir ému, vous avoir transporté et diverti. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les artistes pour leur immense générosité. Merci à notre orchestre dirigé par Stéphane Gobert, Vincent Bidal au piano, Rémi Léger à la basse, Loïc Pontu à la batterie, Bertrand Comer à la guitare, Laurent Derache, accordéoniste. Merci à Jean-Jacques Amsalem pour la réalisation de cette émission et Jean-Philippe Bourdon pour les lumières. Merci aux équipes de France Télévisions, Alexandra Red, Fred Valencac et Nicolas Oliver. Merci à Daniela Lombroso, Audrey Vensoussan et à toute la formidable équipe de Dégel Prod. Mouah. Merci à mon petit ange gardien aussi, Marianne. Allez, viens, je t'emmène dans les années pop. Ça sera notre prochaine destination. J'espère vous compter dans le voyage avec nous. Ciao.